partir à l'aventure. Et même si vous avez fort agréable, je crains que notre groupe soit complet. Par contre, si vous pouvez peut-être aider la garde et vous engager. Mes parents ne voudront jamais. Si je reste ici, c'est sûr et certain, ma vie sera foutue. Mais croyez-vous en Alana Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu penses? Enfin, à moins que nos compagnons changent d'avis et décident de prendre elle sous notre aile, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce que tu penses, Ilana, si nous proposons à elle de partir en pèlerinage à l'étoile d'Ilankar, avec la bénédiction de Liliandre, peut-être? On la confie à Liliandre demain. Ah oui. Et oui. Elle sera tranquille à l'étoile d'Ilankar. Oui, si, c'est ça. À l'étoile d'Ilankar pour faire ses propres choix. C'est une option, mais il faut qu'elle rentre avec Liliandre. Tu sais, comme moi, que les rocs ne sont pas sûrs jusqu'à l'étoile. Non, c'est sûr. Mais Liliandre aura peut-être une idée, sinon, pour la faire accompagner. Elle, je veux bien me proposer pour discuter avec tes parents si tu as besoin. Partir sans un mot n'est jamais la bonne solution. Je suis de son avis. Non, mais ils sont trop puissants, vous ne réussirez pas à les convaincre. Personnellement, moi je ne prendrai pas la responsabilité pour qu'après on soit accusé de kidnapping. Je ne sais pas qui sont ses parents. Donc, il nous dit qu'ils sont très puissants, qu'ils sont très riches. Moi c'est je vois pas trop ce qu'on a à part avoir un poids mort dans l'équipe et devoir faire du babysitting tout en se mettant une famille potentiellement très puissante à dos. Je vois pas le but de la manœuvre. Amener une âme de plus vers Ilana, libérer une et âme en faire de un l'emprunt cubini, on sait patati patata. Libérer quelqu'un de l'emprise que sa famille peut avoir sur elle. Vous ne voulez pas aider autrui à choisir et avoir son libre arbitre, justement? Et du coup, elle a son libre arbitre. Elle peut juste envoyer paître ses parents en bonne et due forme, sans nous accompagner. Tu la vois prendre une bourse et la mettre sur la table et te la donner à qui? À toi. À moi? En quel honneur? C'est en quel honneur? C'est parce pourquoi? Parce que j'ai envie de croire. Je sais que il y a une vieille femme dans le coin qui a eu une belle vie grâce à Aliana et je pense que j'ai tout intérêt à être une disciple moi aussi. Alors je lance un regard appuyé et triomphant à mes compagnons. et je regarde ce qu'il y a dans la bourse. Il y a au moins 20 PO dedans. Ok. Il n'y a aucun signe sur la bourse. Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Est-ce qu'il y a des signes distinctifs? Est-ce qu'il y a des objets? Est-ce que elle est de bonne facture? Très bonne facture. Mais effectivement, vous allez sans doute voir un emblème de famille, oui. Ok. Exactement. Du coup, ce que je... Est-ce que moi, je le reconnais? Ouais, ce que j'allais demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir sur l'emblème? Parce que moi, j'aurais pas les connaissances. Parce que moi, c'est le genre de truc que je peux connaître, par exemple, je sais pas. Vu ma profession. Vous l'avez déjà vu, mais ça ne vous dit rien. Un jeu d'histoire, peut-être. Vas-y. Ça me dit rien. Du coup, Athalys, elle va mettre le contenu de la bourse dans le tronc. Donc c'est 10 PO, c'est ça? T'as dit 20 PO. C'est la richesse. Et je vais abandonner la vie d'aventurier, moi je vous le dis. Je croyais que c'était pas pour toi. Il va y avoir deux troncs à porter.
Nanou, l'aubergiste, c'est une nana, elle est au comptoir. Hein. Oui, elle vous regarde. Elle regarde un petit peu le sketch pour elle. Elle trouve ça assez amusant. Bah, je vais me lever avec ma chope vide. Et en un, je vais lui demander une autre chope. Oui. Et je vais lui demander. Dites-moi par curiosité, vous sauriez la fille qui nous parle. Vous la connaissez un peu? Oui, c'est la jeune fille d'une riche famille dans le coin qui possède un grand domaine à côté de Vercole. D'accord, et le nom de la famille, hein, c'est quoi? Si ils sont célèbres, c'est les Bracors. Les Bracors, hein. D'accord, ils sont célèbres pour quoi? Pour le commerce, pour leur jeu politique, pour leur puissance militaire, pour... Disons qu'ils mettent quelques moyens dans l'Empire. Dans l'Empire, hein. C'est-à-dire qu'ils ont une place politique assez oui. conséquente. Oui, quand même. Et quand on dit ça, on parle de quel type de poste à peu près pour leurs parents, pour ses parents? Très proche des guildes marchandes. Dans les hautes sphères des guildes marchandes. D'accord. Ok, il y a un mariage qui est prévu, qui est connu, enfin qui est. Oui, avec c'est qui est connu, on va dire dans le. C'est justement ça qui permet à la famille du coup d'être suffisamment haut placée, c'est ce mariage qui pour eux est extrêmement important pour maintenir leur niveau. La suprématie, on va dire. D'accord. Et l'autre famille, hein, c'est quelqu'un de quelle famille? Proche de l'empereur. Pardon. Proche de l'empereur. D'accord, donc on parle vraiment de personnes très très influentes et très puissantes. Ok, bah merci, merci pour la bière, je la remercierai pareil en un. Puis... Et du coup, tu retournes là-bas, j'imagine? Ouais, elle est quoi? Elle est humaine, elle, c'est ça? Oui, elle est humaine. Alors désolé Ankh, hein, mais je parlerai en elfe du coup, et j'irai à mes compagnons, je retranscrirai les informations que j'ai eues, comme quoi c'est la fille d'une riche, d'une famille, enfin que ses parents sont dans les hautes sphères de la guilde marchande, et que a priori ça va être un mariage politique arrangé pour asseoir leur suprématie politique, en espérant qu'elle comprenne pas l'elfe bien évidemment, mais si elle est jamais sortie de Vercole, ça devrait le faire. Donc là, moi, quand j'entends que vous commencez à faire des messes basses en elfe, je me lève, je m'approche de toi, je passe derrière toi, je passe un bras autour de ton cou, je serre, et je m'approche de ton oreille et je dis « Recommence à parler en elfe, une seule fois en ma présence, et je serre encore plus. » D'accord? Avec un grand sourire. Je te souviens, il n'a pas envie que ça dégénère, donc va te rasseoir, on va continuer à discuter calmement. Athalys va essayer d'apaiser aussi la situation, elle va dire « Ankh, je pense que ce n'était pas pour t'exclure toi de la conversation. » Et elle appuie sur le... Réfléchis 10 minutes en allant t'asseoir, ça te fera du bien. Réfléchir Sniper. Ok. Athalys, elle a entendu. Elle sait vraiment pas quoi en penser parce qu'elle soutient quand même l'idée que une jeune femme devrait être libre de son destin et que si elle pense pouvoir se réaliser ailleurs que là où ses parents l'attendent, il faut que elle l'aide parce que Aliana l'a mise sur sa route. Donc, si vous l'en empêchez pas, elle va la prendre sous le coude et la confier à sa mentor qui saura quoi faire. Oui, voilà. Mais voilà pour son état d'esprit à elle. une fille de son rang et de son statut
a des droits, mais également des devoirs. Et je pense que si nous allons à l'encontre de ces devoirs, l'impact pour le groupe sera d'autant plus important. Je déconseille de répondre favorablement à sa requête. Pour l'instant, on parle d'une disparition de 24 ou 48 heures au plus. Le temps que nos mentors arrivent, ils auront sûrement les relations et les connaissances nécessaires pour décider quoi faire. Je pense au contraire que nous devrions vous donner rendez-vous pour dans 2 jours. Le temps que justement nous en discutions pleinement entre nous et avec les personnes à qui nous voulons nous confier. Ça me va. D'accord, ouais. Où est-ce qu'on donne rendez-vous du coup Est-ce que vous connaissez le relais du Corbeau d'Or? Oui, bien sûr, je le connais, oui. Et bah, allez-y, venez nous y voir dans 2 jours. Demain. Et, si nous sommes partis on vous aura laissé un message. Donc là, pour résumer, oui, mais ne partez vous, pas, êtes non, prêt, mais c'est pas... vous êtes prêt à vous mettre une famille très puissante à dos pour les caprices d'une fille, d'une gamine. La liberté n'est pas un caprice. Nous en reparlerons tranquillement ce soir. Mais personne ne l'empêche d'être libre. Prends tes affaires. Et Ilana envoie des regards appuyés à tous ses compagnons parce que cette histoire commence à la fatiguer un peu. Revenez nous voir, c'est sûrement pas nous qui prendrons de toute façon cette décision, dit Athalys pour rassurer ses compagnons. Mais clairement, si c'est dans nos moyens, nous vous aiderons à prendre votre envol. Oh, c'est gentil, je vous en serai vraiment reconnaissant. Merci beaucoup. Vous partez pas sans moi, hein. Promettez-moi. Faites un effort. Mais on n'a rien à te promettre du tout. Oui, c'est vrai. C'est vrai, vous ne me devez rien, je comprends bien. Mais c'est quand même ma vie qui est en jeu et je n'ai pas envie de rester prisonnière ici. Comme Ilana te l'a dit, si jamais nous devons partir sans toi, nous te laisserons un mot pour toi au corbeau. Merci. Nous te souhaiterons un bon mariage. Mesquin, c'est mesquin. Elle te regarde avec des yeux un petit peu de pitié. Vous ne savez pas ce que c'est que vous mariez avec un homme riche. Je ne savais pas ce que c'est. Tu ne sais pas. Et toi, tu ne sais pas ce que c'est de vivre dans la pauvreté, donc tais-toi et va te marier. Les amis, soyons plus sympathiques avec cette jeune femme. Nous en discutons ce soir et nous verrons. On vous laissera un message. C'est bien, merci. Et bon, allez, je vous laisse. Hein. Bon après-midi. Un petit conseil avant de partir. Évitez de suivre tous les aventuriers que vous pourriez croiser. Vous avez eu de la chance de tomber sur nous, mais... il se peut que vous tombiez sur des gens malhonnêtes. La chance d'Aliana. Faites attention à vous. Oui, ne vous inquiétez pas, je fais attention. Mais de toute façon, la garde n'est jamais loin. Enfin, pour l'instant, ils n'ont pas l'air très efficaces. Comptez sur vous-même, jeune femme. Alors, Athalys, elle lui dit jeune femme, mais vous voyez qu'elle n'est pas beaucoup plus âgée. Hein. Mmh. D'accord, très bien. Et du coup, elle se retire, elle regarde Ankh, voir s'il réagit ou pas. Oh non. Et du coup, passez une bonne journée et puis à bientôt. Hein ? Je la regarde partir. Allez, au revoir. Je lui fais un sourire. Et elle s'en va. Bon, et bien, si on a fini de manger. Effectivement, je tiens juste à préciser une chose. Hein. Je regarde Ankh. Je te dis, c'est la première et la dernière fois.
de ce que t'as fait. Il a fait beaucoup de choses. Si j'ai envie. Voilà, je dis ça, je reprends ma bière, et je finis ma chose. Bien, allons-y. Tu veux bien continuer à transporter mon arbre ? Je reprends la plante sous le bras. Merci. Et sauf interruption, on se dirige vers le corbeau d'or. Ok. Du coup, vous rentrez à l'auberge. En récupérant les deux nouvelles recrues, bien sûr. Oui. Si elles sont toujours là. Effectivement, elles sont toujours là. Et du coup, vous attend bien sûr tout le monde avec Jiménez qui du coup a récupéré sa roue, qui est bien content. Mais du coup, comme c'est arrivé un petit peu tard, du coup, il va rester encore une nuit ici. Rien n'a changé dans cet endroit, les gens n'ont pas bougé. Ils nous remercient. La vie a continué. Et oui, ils vous remercient. Pour la commission. Il va donner 2 pièces d'or à Alnar, du coup, pour son service rendu. Bien, merci. Merci, Mélanie. De rien, c'est normal. Vous m'avez rendu service. C'est normal que je vous doive un minimum de choses. Et du coup, vous rentrez à l'intérieur, vous voyez Georgias et Katina qui sont là, qui prennent le même soin qu'ils avaient pris la veille et la journée avec vous. Vous disant, alors vous avez passé une bonne journée, vous avez réussi à créer des liens entre vous. On peut dire ça. Disons qu'on a appris à travailler, on a appris un peu plus sur chacun de nous. Ah ben, c'est le plus important, c'est ce que m'avait demandé... vos mentors, que vous commenciez un petit peu à vous unir, selon nous, avant de commencer votre nouvelle aventure au sein de l'Ordre Rouge. Sûr. À ce sujet, quand est-ce que nos mentors doivent arriver encore à nouveau ? Demain matin. Et du coup, regarde Nathalie sur Iliana. Nous serons sûrement partis dans 2 jours. C'est effectivement le cas. Et j'en attendais pas moins. Mais je ne sais pas si tu te rappelles, nous sommes justement là pour mon mentor. Et je ne suis pas sûre que accueillir quelqu'un d'autre dans notre groupe soit la meilleure des idées. J'espère que Liliandre aura une solution. Si Liliandre accepte de l'accepter avec toi, je suis sûre qu'elle acceptera d'attendre un mois de plus pour l'accompagner. T'as raison. Toute confiance. Et puis si elle ne vient pas, c'est que Aliana ne voulait pas qu'elle vienne. Tout à fait. Vous aviez laissé vos animaux dans l'auberge ? Oui. Oui, pardon. Moi, j'avais laissé Oléa, effectivement, et je vais aller voir si elle se porte bien avant de rentrer avec les compagnons. Et j'ajouterai... Non, j'ajouterai une finesse. Moi, j'ai demandé à Erin d'amener la plante verte dans ma chambre. Okay. Comme ça, Prune va pouvoir grimper dessus. Tu vas remarquer quand tu vas aller voir du coup ton cheval. Normalement, tu as un harnais et une selle. Oui. Ils ont disparu. Ah. Ben, je vais aller voir Scotty. Bon, ça. Bonjour, Scotty. Dit-il en transformant un petit peu sa voix. J'imagine que vous avez pris soin de mon cheval aujourd'hui. Oui, bien sûr. Je lui ai donné à manger, je l'ai brossé. Oui, bien sûr. J'ai pris soin de... j'ai repaillé pour qu'il soit bien au chaud pendant la nuit. J'ai nettoyé ses blessures. Ne vous inquiétez pas. Merci. J'avais laissé sa selle et son matériel à proximité et je ne les trouve plus. Est-ce que tu les as déplacés pour les nettoyer peut-être ? Non, moi j'ai pas touché.
Non, non, j'ai pas touché. Est-ce que tu as vu quelqu'un s'approcher de... des tables, enfin... Non. Ça ne me dit rien. Vous dites quoi, une selle? Une selle et un mort, oui. Non, ça me... Ah! J'ai vu le demi-orc d'hier, là. J'ai vu qu'il avait quelque chose qui pendouillait à son bras, là. Ça pourrait peut-être bien ressembler à un harnais, ouais. Elle va faire un scandale. Je l'ai vu partir en forêt il y a quelques heures. Il doit être assez loin, maintenant. Merci, Et du coup, je vais rentrer dans les tables et voir avec Georgia s'il peut me parler de ce demi-orc. Du coup, tu vas rentrer dans les tables et... Alors, quand tu vas partir comme de ces scapis, il va te faire un petit sourire. Je le regarde pas, là. Je suis scandalisée. Énervée. Et du coup, tu arrives devant Georgia. Oui, qu'est-ce que tu veux? Je déplore la sécurité de votre établissement, mon cher ami. J'avais laissé au bon soin de Scotty Oléa, ma jument, ainsi que son matériel, puisque je m'en avais pris en besoin, et ils ont tout bonnement disparu. Ah oui. Et